Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tirage homme-homme. Donc, messieurs, nous allons voir l'amour de votre vie homme. Comment est cette relation, si elle est à venir, si elle, voilà, vous allez voir, vous allez découvrir votre autre. Donc, nous allons voir ses pensées, son caractère. Ensuite, avec le haut, nous allons voir les sentiments et le type de relation. Donc, voilà. Hop. Ensuite, nous allons voir les actions, événements. Voilà. Ensuite, nous allons voir, que je dise pas de bêtises, la direction de la relation. Là. Il est beau, mon bonhomme. Il a une belle tenue. Alors, carte bonus. Donc, la carte bonus, c'est peut-être, comment ça s'appelle, la datation, ça peut être une réponse à une question. Enfin, voilà, en tous les cas, c'est un élément bonus sur le tirage. Voilà. Et ensuite, on termine avec la carte complémentaire qui peut nous apporter des éléments sur le travail, peut-être aussi. Voilà. Alors, si cela ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc, on va commencer avec la première carte concernant la pensée et le caractère de votre autre. C'est quelqu'un qui est très intelligent. C'est quelqu'un qui a un intellect ou une intelligence qui est très vive. Vous pouvez échanger sur de nombreux sujets. Votre autre est brillant et c'est ce qui vous attire. C'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment bien les gens, par exemple, qui ont de l'humour. Il y en a qui aiment bien les gens qui soient sérieux, qui aiment les gens cultivés. Donc, en tous les cas, voilà, chez vous, ça vous plaît. Ensuite, concernant les sentiments et le type de relation, on vous dit attention, ce qui pourrait être une... ce qui paraît être, pardon, n'est hélas pas la réalité. Il y a des faux-semblants dans cette histoire. Soit l'un des partenaires se fait des illusions tout seul, soit c'est son autre qui lui donne de faux espoirs. Donc, peut-être qu'il y en a un des deux qui n'attend pas du tout la même chose. Alors, c'est possible peut-être que l'autre attend une relation très sincère. Et c'est possible que vous, ce soit le contraire, que ce soit passager ou ainsi de suite, inversement. En tous les cas, vous prenez ce qui vous parle le plus. Ensuite, concernant les événements, on parle de compromis et de signature. Il se pourrait que votre relation nécessite quelques ajustements ou quelques compromis. Ou encore, il se pourrait qu'une signature impacte votre histoire d'une façon ou d'une autre. Alors, on pourrait peut-être tout de suite penser à une signature pour un engagement, mais moi, je ne pense pas. Alors, peut-être que comme on a sorti la carte de l'illusion, qu'on nous dit ce qui pourrait être n'est hélas pas la réalité, est-ce que cette personne ne s'est pas engagée sur quelque chose et que cette signature ne pourrait pas venir mettre un terme à cette histoire? C'est possible. Après, il faudra voir avec le reste des cartes. Ensuite, on parle de la direction. Donc, la relation, elle est positive, elle peut évoluer dans le bon sens, elle peut aussi vous faire évoluer, vous, sur un plan individuel. Et là, on nous dit bien qu'elle dure ou non, vous en sortirez grandi. Donc, moi, c'est ce que je vous dis, je ressens peut-être que cette rencontre, elle s'est faite, il y a eu un coup de foudre pour vous, mais que cette personne, les illusions, c'est qu'elle ne vous l'a peut-être pas dit, mais qu'elle s'est déjà engagée quelque part et que cette signature va être un tournant pour la relation. Peut-être qu'elle ne continuera pas par rapport à ça. Alors, concernant la date, on vous parle d'ici 6 mois. Peut-être que d'ici 6 mois, vous allez rencontrer cette personne si ce n'est pas encore le cas. Et ça, ce que je viens de vous dire se mettra en place. Soit vous êtes déjà avec la personne et dans moins d'ici 6 mois, vous aurez ce que je vous ai annoncé. Ensuite, voilà, je comprends mieux déplacement, transport. Si c'est une personne qui est amenée à faire des déplacements, il est fort possible que cette signature l'éloigne encore de vous. D'où peut-être le fait qu'on parle d'illusion, parce que cette personne ne pourra peut-être pas se poser avec vous. Donc voilà, il faudra voir dans le temps. Après, comme je dis, rien n'est figé. Il y a toujours possibilité de changer les choses. Quand on s'entend bien avec une personne, on peut faire des compromis aussi. Il y a la signature, mais on peut faire aussi un compromis en disant, écoute,
on s'entend super bien, soit la personne va la suivre, ou soit inversement, il y a toujours une possibilité. Voilà, messieurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous a parlé. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Bisous!